ברשות הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ברשות כל הקהל. רב אריאל, נו רבלי, le fait que si nous nous retrouvons ici ce soir tous ensemble, c'est que nous cherchons tous une nechama. Pourquoi? Pourquoi cherchons-nous cette nechama? Qu'avons-nous besoin ce soir? De quoi nous avons besoin ce soir? Le Baal HaTourim, sur le passouk que vient de ramener Rav Mordechai, lorsque Moshe Rabbeinu s'exprime en disant « Ve'achechem kol bet Yisrael ifku et aserefa asher saraf Hashem » le Baal HaTourim nous dit « Pourquoi va'achechem ? Pourquoi kol bet Yisrael ?» Si la avilut s'applique sur les frères, comment peut-on demander à tous les béné Israël de pleurer? Et le Baal HaTourim nous dit la chose suivante. Ki talmid chacham shemet kol Israël kerovav. Nous sommes ce soir tous les kerovim de Moreno Verabeno Rabbi Yosef Chaim ben Yitzhak Zatzal. Tous des kerovim du Rav. C'est-à-dire que nous sommes tous dans la situation, quelque part, des enfants du Rav. Pourquoi? Il y a une Gemara dans Shabbat connue qui nous dit la chose suivante. Echad min ha-chabura shemet Idaagu kol bnei ha-chabura. Si un des membres de la chabura, de l'assemblée, on parle d'une assemblée de gens qui étudient ensemble, echad min ha-chabura shemet idaagu kol bnei ha-chabura. S'il y a un des membres de la chabura qui décède, nous dit la Gemara, il faudra que tous les membres de la chabura s'inquiètent eux-mêmes pour leur vie. Que veut dire cette Gemara? Rabbi Yechezkel Levinstein nous explique la chose suivante. Lorsqu'un homme fait partie d'une chabura, lorsqu'un homme fait partie d'une mishpacha, comme la Gemara nous dit, echad mina achim shemet, kol echav idaagu. Nous faisons partie de la Mishpachat Sitruk, tous ensemble ici. Et nous devons faire, Chas v'Chalila, attention au départ du Rav. Nous devons dire à Rabbi Yechezkel Levinstein, comment faire attention? Comment on peut faire attention? Et pourquoi, Chas v'Chalila, une Gzera serait, Chas v'Shalom, attendue chez quelqu'un parce que Kalvachomer, a fortiori, le roche de la chabura qui parle. Eh bien, tout simplement, parce que, nous dit Rabbi Yechezkel Levinstein, les hommes, lorsqu'ils sont en chabura, nous sommes tous somrim echad alasheni, en se disant, oui, il y a un bateau. Nous sommes sur le même bateau. Nous sommes des Bnei Torah. Et voilà, le bateau avance. Nous ne nous, nous remettons pas en question tous individuellement. La chabura est une chabura bichlal. Elle est l'ensemble de plusieurs éléments qui sont des individualités qui ont tous leur valeur aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Et avec l'explication que nous donne Rabbi Yechezkel Levinstein, je vais humblement vous dire ce qui m'a traversé l'esprit lorsque dimanche nous assistions
au départ de notre maître. J'ai calculé comme vous et je me suis dit, tiens, il va nous accompagner pendant les Shivas, parce qu'il est marqué dans les différents Sfarim Akdoshim que la Neshama, pendant les Shivas, la Neshama d'Aniftar, elle vient, elle part, elle revient, Mbeta Abel, elle repart, Mbeta Kvarot. Et je me suis dit, on l'aura avec nous jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Pourquoi, Rav, vous nous quittez juste avant Rosh Hashanah ? Kamim, on va se lever des Shivah, et puis vous allez partir. Qu'est-ce que vous nous dites avec ça ? Et Rabbi Yechezkel Weinstein nous dit, l'homme de la Chabura, de l'assemblée, se dit, je fais partie du klal, je suis l'homme du bateau. Le bateau avance. Mais Hachem, il nous juge individuellement. Hachem nous juge individuellement et nous dit, Razal, que pour commenter un pasouk qui a été écrit par Shlomo HaMelech dans Michelé, voilà ce que nous dit le Midrash. Peles Omoznei Mishpat Hashem. Hashem, c'est Mishpatim. Lorsqu'Hashem est chauffette, lorsqu'Hashem il devient l'homme du Mishpat, il a entre ses mains des balances et des règles. C'est-à-dire qu'Hashem, il est médagdek avec chacun d'entre nous qui route à Sahara. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si chacun d'entre nous prenait conscience de ce que réellement, à mon humble avis, le Rav Zatzal attendait de nous, c'est que quelque part, et je crois que ce n'est pas fortuit que sur les affiches que nous avons affichées, on est écrit en tête d'affiche « Oy, les otas fina chez Abda Karbanita, Karbanita. Malheur à ce bateau qui a perdu son capitaine, lui qui adorait tant la voile, lui qui adorait tant le bateau. Et un jour à table, je ne voudrais pas vous dire combien de fois, malheureusement, trop peu de temps, parce que pendant 2 ans, j'ai eu le mérite de m'asseoir avec lui quasiment tous les jours. Il m'a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Dans un bateau, je lui ai dit, mais comment ? Il me racontait comment il passait très souvent de Marseille ou Nice en Corse. Je lui dis, mais vous ? Il me dit, oui, comme ça, on y allait. Je lui dis, mais comment ? Il me dit, si tu sais lire la boussole, c'est ok, c'est bon. La boussole, c'est... Et je me suis dit, qu'est-ce qui nous a légué ? Qu'est-ce qui nous a donné ? Je ne l'ai pas connu dans les années fastes, les années dont certains des orateurs qui m'ont précédé ont connu. Je ne l'ai pas connu sous son mandat de grand rabbin de France. Je l'ai connu comme tous ici présents. Mais les 2 ans que j'ai passés avec lui, puisque je vivais auprès de lui, m'ont été peut-être comme une période d'intense quelque chose que qu'on vit que lorsque l'on vit auprès de très très grands. Voilà. J'ai eu aussi l'occasion de vivre près de certaines très grandes personnes qui sont parties, des rabbanim, et j'ai vu
des choses. Alors, on aime à dire, on aimait tous le Rav Sitruk, oui. On aime tous le Rav Sitruk, on l'aime comme un fils qui aime un père. Mais le fils qui aime le père, il sait, le fils, que le père est en attente de ce que peut lui apporter son fils. Qu'est-ce que nous, nous pouvons donner au Rav en retour, après toutes ces années, après toutes ces années de don de soi? Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? On dit souvent, oui, le Rav, il était cool avec les autres et mahmir avec lui-même. Je n'y crois pas un instant, Rabotai. À mon humble avis, je n'y crois pas un instant. Il avait, peut-être, à l'exception de certains d'autres, beaucoup de patience. Mais il était en attente du meilleur de chacun d'entre nous. Du meilleur de chacun d'entre nous. Et s'il nous a laissé ça, parce qu'il a donné le meilleur de lui. Et c'est ça ce que je voulais vous dire ce soir, parce que je voulais vous apporter mon témoignage, le témoignage d'un homme qui a vécu auprès de lui et qui a vu. Qu'est-ce que j'ai vu? On a raconté, il était malade, bien sûr. On a raconté, il faisait, comme l'a dit Mordechai, il était médakdek dans toutes les chumrot, nachon, emet. On nous a raconté qu'il a fait mitzvat pidyon shvuim, nachon, emet. Qu'il a rassemblé des milliers de personnes, nachon, emet. Personne n'est capable de faire ça. Mais il y a une chose que j'ai vue, moi, à la maison, mais pas que moi, plusieurs personnes l'ont vue, mais moi je l'ai vue tous les jours. J'ai vu un homme qui nous disait à tous, tu peux m'amener la Gemara en face, s'il te plaît? Mera, vous devez aller dormir. Mais vous êtes épuisé. J'ai pas terminé mon daf de Gemara. Le Rav a eu cette intransigeance, cette exigence, cette persévérance de vouloir finir ces dapim de Gemara. Et ce n'est pas pour rien que je vous dis ça, parce que dans cette salle, il y a beaucoup d'avrechim, beaucoup de gens qui savent combien, quelle différence il peut y avoir, même malade, à faire un daf de Gemara ou lire un perek de Tehilim. C'est absolument pas la même chose. Absolument pas la même chose. Le Rav a été mekayem, ce que Chazal nous dit, Adam ki yamut be'oel. J'ai vu un homme mourir pour la Torah. Voilà ce que j'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu un homme mourir pour la Torah. Je discutais avec des talmidim tout à l'heure qui me disaient, et maintenant Patrick? Alors je leur ai dit, et maintenant? Maintenant, comme le disait Sion, tu nous disais à la Levaya, Sion, que le Rav aimait à dire qu'il était un allumeur de réverbères. Oui, oui, Sion, c'est écrit, et je crois que c'est écrit dans ce Midrash que Rabbi Yechezkel Levinstein nous rapporte. Il nous dit, voilà comment Hachem il est médakdek avec les tzadikim. Moshe Rabbeinu et Shmuel, nous dit le Midrash, qui était plus grand? Moshe ve Aaron ve Chohana, ou Shmuel ve Koreshemo, nous dit le Midrash. Pour Moshe Rabbeinu, il est écrit Vaikra el Moshe. Hachem a appelé Moshe, c'est-à-dire que Moshe devait rentrer dans le Ohel Moed pour entendre la voix d'Hachem. Mais pour Shmuel, il est écrit Vayavo, Vayavo Hachem, Vayit Atzev, Vayit Yatzev. Hachem s'est présenté à Shmuel, dit le Midrash. Pourquoi? Très simple. Très simple. Moshe Rabbeinu était assis et il attendait le Ham pour les juger. Shmuel est parti de ville en ville, de pays en pays, pour juger le peuple et pour répandre la parole d'Hachem. Alors oui, il était un allumeur de réverbères. Pour moi, je crois qu'il a eu sa vie d'avant,
où il a allumé des réverbères. Oui, il a été le Shmuel de plusieurs générations. Il est parti Meir Leir allumer la Torah qui avait partout, le feu, ce feu qu'il y avait dans chacun d'entre nous, dans toutes les villes de France et d'Europe. Mais je crois que dans une autre partie de sa vie, et c'est cette question que nous devrions tous se poser, quand un homme voit, comme le disait Rabbi David Yosef Ibn El Chaim ce matin, où il nous racontait que lorsque Rav Obadiah Yosef Zecher Tzadik Livracha quittait ses fonctions, il était peut-être un peu triste. Est-ce que le Rav, Alav HaShalom, était triste? Qu'est-ce que fait un homme à qui on dit « c'est fini, le faste s'arrête ». Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais que le faste s'arrête? Maintenant, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais ouvrir ma Gemara et je repars aux fondamentaux. Je repars à ma Mishnah. Je retourne à ma Gemara. C'est pas grave? C'est pas grave? La Torah ne s'arrête pas là. J'ai allumé les réverbères. Qu'est-ce que nous, maintenant, nous faisons? Eh bien, Rabotaï, il nous a laissé cette boussole. Le capitaine du bateau est parti. Mais il n'attend pas à ce que nous soyons des galériens. Il n'attend pas à ce que nous attendions un autre guide. Il n'attend de nous que nous fassions chacun l'effort d'avancer, de se bouger, de, lorsque nous avons, comme je l'ai vu de mes yeux, 39 ou 40 de fièvre, on se lève du lit. On met 25, je ne veux pas exagérer parce que c'est, on met 10 minutes pour faire 5 mètres entre son lit et sa chaise. Je me trompe peut-être, peut-être que ça fait 12, 14, 15 minutes. Mais lorsqu'on met 15 minutes pour faire 5 mètres pour aller épuiser à sa table, on s'appelle Rabbi Yosef Chaim Sitruk. Et on est le guide de tous les Béné Israël, de tous les gens, de tous ces réverbères qui se disent « Tiens, il allume plus rien ». Si, il allume. Il t'a appris. Il te l'a donné. Il te le donne encore. Il est le grand rabbin Yosef Sitruk. Shetieh nishmato tzora betzor ha'chaim. Bila amavet la netzach. Macha shem elokim mea dimra mea al kol panim v'chirpat amoyesi.